Pour skier, été comme hiver, nul besoin de faire 600 km. C'est en haut du terri de Neulémines que les fans de glisse se retrouvent. Une piste synthétique longue de 320 mètres de long, la plus longue d'Europe, qui reproduit quasiment les mêmes sensations de glisse qu'à la montagne. Les sensations sont celles d'une, on va dire, presque d'une poudreuse. Il faut accentuer les mouvements, faut bien appuyer sur l'écart. Si on s'entraîne bien ici, lorsqu'on arrive à la montagne, sur la vraie neige, on est encore plus performant puisqu'on a pris des bonnes habitudes. Et avec une pente à 28%, il y en a pour tous les goûts. Champ de bosse pour les plus téméraires, halfpipe pour le freestyle et piste débutant. Le tout, c'est avant tout de se faire plaisir et faire le plein de sensations. Bon, on essaye déjà de s'entraîner. Je suis descendu 4 fois, je suis tombé 4 fois. Tout doucement, j'ai commencé, c'était des petites bosses, des moyennes bosses. Puis après, j'ai un peu surtout. J'essaye. Après, bon, à des moments, il y a la chute quand même. On ne peut pas l'éviter, ça. Le Ski Club Aventure accueille les amateurs de ski et regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de licenciés. L'occasion d'apprendre les bases de la glisse ou de se perfectionner. On est un jeune club qui espère se développer. Donc là, on a fait la fête du ski le week-end dernier. Et du coup, on a gagné quelques licenciés. Et donc les gamins viennent tous les mercredis. Donc plus on en a, et mieux c'est. À Neulémines, le stade de glisse vous accueille tous les après-midi, mercredi toute la journée. Comptez 8,50 € pour une heure de ski, matériel inclus.